Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, présentation d'une réédition d'un film que j'avais déjà, mais qui était très très pauvre en bonus. Et ce film est ressorti récemment chez BQHL, récemment, il y a quelques mois maintenant. Et j'avais attendu un petit peu pour me le procurer, et finalement j'ai craqué parce que cette édition, vous allez voir, elle n'a rien à voir avec la précédente, elle est vraiment blindée de bonus. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo sur ce film. Alors déjà, c'est un film que j'ai énormément regardé quand j'étais plus jeune, j'avais adoré ce film. Les séquences de combat sont vraiment très réussies, très réalistes. Il y avait même un jeu, alors je crois que je l'avais sur Super Nintendo, le jeu Dragon, et qui reprenait des séquences du film. Donc c'est ressorti chez BQHL, moi je me le suis procuré chez Cinestory, hein, qui avait reçu du stock de produits BQHL, donc notamment ce Dragon, donc je l'ai acheté chez lui. Donc je vais vous faire le tour de l'édition et vraiment vous montrer la plus-value de cette réédition par rapport à l'ancienne, pour ceux qui ont encore l'ancienne. Alors après le master, j'ai pas encore testé, mais en tout cas si vous êtes fan du film, vous verrez qu'au niveau bonus, ça n'a rien à voir. Alors déjà la cover, alors c'est un fourreau, hein, il y a un fourreau et un amarré. La cover est vraiment très très chouette, très réussie, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc au dos, c'est là que les informations intéressantes arrivent. Donc, au niveau des bonus, alors avant même les bonus, on va faire un tour au niveau des langues. Donc, il y a la VO en 5.1, il y a la VF en 5.1, il y a les sous-titres français, l'image c'est du 2.35, donc 16/9. Le film dure 119 minutes, et donc j'en reviens au niveau des bonus. Donc, il y a un livret de 20 pages sur l'histoire du film, donc ça on regardera juste après ce livret, donc ça déjà c'est le plus. Ensuite, il y a une présentation du film par José Carmona, qui est auteur du livre L'Offensive Dragon. Donc ce documentaire, enfin ce reportage dure 39 minutes. Ensuite, il y a un entretien avec Bruce Lee en VO sous-titré, 7 minutes. Reportage sur le tournage en VO sous-titré, 6 minutes. Reportage sur l'un des combats du film en VO sous-titré. Présentation du film par Linda Lee Cadwell en VO sous-titré aussi, et la bande-annonce. Vous voyez, donc il y a vraiment plein de bonus très intéressants en plus, et il y a ce livret de 20 pages. Et je pense qu'au niveau des langues, ce sera confirmé, je pense qu'on est quand même mieux loti que sur la précédente édition. Donc pour ceux qui ont vu ce film et qui veulent me donner leur avis, bah allez-y dans les commentaires. Et ceux qui ne l'auraient pas vu, bah je vous encourage vraiment à le découvrir, parce que c'est un excellent film que je vous conseille vraiment de découvrir si vous êtes passé à côté. Et alors ce film avait été réalisé par Rob Cohen, c'était un de ses premiers films. Rob Cohen qui s'est fait connaître ensuite avec Fast and Furious et Triple X. Et au niveau de l'acteur principal, c'est Jason Scott Lee, hein, qu'on retrouve dans ce film et qui interprète Bruce Lee. Allez, je déballe l'édition. Voilà, c'est déballé. Donc moi, j'ai été débarrassé de ma précédente édition, forcément, juste avant de commander celle-ci. Comme ça, ça permettait de ne pas rajouter grand-chose afin d'avoir une version upgradée. Donc, il y a le fourreau hop, qui sert un petit peu. Mais donc, fourreau très sympa. Moi, j'aime bien quand il y a un petit fourreau comme ça. C'est toujours appréciable. Donc là, on a l'amarré, donc qui reprend le même visuel qu'on a sur le fourreau. À l'arrière, c'est pareil, il n'y a rien de bien fou. Il serait peut-être intéressant de mettre un amarré noir. Bon, après, vu qu'il est dans le fourreau, ça se voit pas, mais je pense qu'un amarré noir, ça pourrait être très très chouette. Donc, à l'intérieur, déjà le disque avec la sérigraphie qui reprend le visuel qu'on a sur le fourreau. Et on a ce livret de 20 pages que je vais vous présenter et qui est le petit plus de cette édition. Donc, c'est vraiment un tout petit livret. En plus, il était incorporé dans l'amarré. Donc c'est tout en français. Voilà, donc il y a du texte et puis je pense qu'il y a quelques photos. Donc là il y a des affiches de films. Donc, ça parle forcément de Bruce Lee. On voit des scènes de combat du film. Bon, ça me donne vraiment envie de le revoir. En plus ça fait un petit moment que je ne l'avais pas vu. Je sais qu'à l'époque il y avait des scènes de combat que je revoyais régulièrement parce que c'était vachement bien réalisé, quoi. Voilà, un grand petit livret bien sympa qui fait donc, c'est ça, une vingtaine de pages. Donc, qui est inclus dans l'édition à l'intérieur. Hein, donc, c'est pas sur le côté, mais voilà, ça se range ici à l'intérieur de la marée. Donc, voilà pour cette petite présentation rapide que j'ai hésité à faire, mais bon, je me suis dit que ça peut être quand même intéressant si vous êtes fan du film parce qu'on a des rééditions souvent de films.
avec aucune plus-value, hein, donc avec rien de plus sur la réédition. Mais là, il y a des bonus supplémentaires, donc pas mal de bonus. Il y a le seul livret. Donc je trouve que ça peut valoir le coup si vous êtes fan du film. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du film, si vous l'avez vu, et puis dites-moi ce que vous pensez de cette édition. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation, et puis on va se retrouver très très prochainement encore pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.